bénévole à la Croix-Rouge depuis 15 ans. J'avais pris ma pension, donc je me suis dit, je vais essayer de trouver quelque chose ailleurs. Plutôt que de rester chez soi, ne rien faire et être pantouflard, parce que j'estime que si on a les moyens, il faut pouvoir travailler ou travailler pour les autres. J'ai travaillé 27 ans en Afrique, hein, et j'ai commencé à donner mon sang là-bas. Pour moi, la Croix-Rouge, c'était le don du sang principalement, parce que j'étais donneur de sang, et les ambulances. Mais je ne savais pas que la Croix-Rouge avait d'autres activités. J'étais tout étonné qu'il y avait des sections locales, qu'il y avait des ventes de livres, qu'il y avait des ventes d'appareils orthopédiques et compagnie. Je ne savais pas. On m'a expliqué, ah oui, on a besoin de quelqu'un pour le parrainage. C'était après l'histoire de la guerre au Rwanda. Donc les enfants étaient seuls, les parents avaient disparu. Donc il y a quelqu'un de la Croix-Rouge d'ici qui avait regroupé tous ces enfants et on leur cherchait des parrains. Oui, bonjour. Antoine va sur place avec les étudiants pour récolter les OP qu'il m'envoie ici. J'ai des parrains d'hier, à Bruxelles, au Décathlon. Ça a bien fonctionné. Je vais en avoir pour toute ton matinée. S'il te plaît. Je viens tous les jours, sauf le samedi et le dimanche. J'ai les autres parrains qui m'attendent et je les introduis au fur et à mesure. S'il n'y a pas de grève, il est toujours présent. C'est le premier arrivé au bâtiment Croix-Rouge. C'est lui qui fait l'ouverture à 7h du matin. Parfois, il arrive avant. Parfois, il attend devant la porte qu'on ouvre gentiment. Sans moi, ça flûte, sans plus rien faire. Mais ce qui me plaît le plus, c'est de trouver d'autres personnes avec qui je travaille. Donc de rencontrer des personnes qui deviennent à la longue des amis. Les arguments que je pourrais sortir à certaines personnes qui désiraient se rendre volontaires à la Croix-Rouge, c'est en un seul mot, servir. Le travail que je fais ici, je sais très bien que c'est un travail qui rapporte de l'argent à la Croix-Rouge. Au moins, on se dit, bon, je sers à quelque chose. Je suis utile, c'est tout, je suis utile.